Que ça soit bien clair pour tout le monde en fait là. Salut tout le monde, c'est Nasaku, on va regarder une story d'Art of Gangsta et après la story je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Que ça soit bien clair pour tout le monde en fait là. Ce que je vais vous dire, je parle français, je te parle français chacal. Toutes les phrases que vous entendez, c'est moi je les ai inventées et les gens ils me recopient parce que les gens ils ont pas de personnalité. Et moi j'ai une grosse personnalité, j'ai tout fait tout seul, j'invente mes trucs moi-même. La phrase, y'a pas les jaloux comme ça en fait, y'a pas ça. En fait, y a pas, c'est moi je l'ai inventé. Coca bien frais chacal, c'est moi je l'ai inventé. Clairement, bye, c'est moi je l'ai inventé. Et c'est pas vos influenceuses que vous pensez dans votre tête. Je sais très bien je sais très bien vous pensez à qui. Comme ma influenceuse, j'ai pas envie de dire son prénom, c'est pas elle qui l'a inventé, c'est moi qui l'ai inventé ça. Déjà, ce mot-là, clairement, j'avais fait un freestyle déjà par rapport à ce mot-là. Donc, bref. Et la phrase, y a pas, faire les jaloux comme ça en fait, y a pas, c'est moi je l'ai inventé. Coca bien frais chacal, tout ça, c'est moi je l'ai inventé. Après, arrouf partout dans ton trou. Bah ça tout le monde sait que c'est moi parce que c'est logique, il y a mon prénom dedans, Arufu, Salem, Montadji, tout ça, Chifron, petit sorcier, tête de Latino, c'est moi je l'ai inventé aussi. Mexique, tout ça, Miami, c'est moi je l'ai inventé aussi. Et les gens ils me recopient. Donc voilà, moi j'ai percé tout seul, je fais des millions de vues, je suis un vrai Algérien 100% Chaoui. T'as capté au mode Latino, cicatrice comme Tony Montana, petit front, petit sorcier, petit nez, beaux yeux, ben dans blanc, je fume pas, je bois pas. Belle bouche, 1m66, gros pec, je suis un vrai bonhomme, je suis un vaillant, comme elles disent les femmes. Voilà, moi j'ai percé tout seul, je fais des millions de vues, je suis trop malin, je suis trop intelligent, voilà. Et c'est moi le meilleur rappeur, je rappe trop bien, j'ai percé tout seul et je fais des millions de vues. Quand je sors dehors, j'ai bien vu. En vacances, les vidéos, on m'arrête toutes les 2 secondes. Toutes les secondes, on m'arrête. Je suis trop connu, voilà, tout le monde me connaît. Même là, dans le 9-1, là, je sors à peine, même pas 5 minutes, ça me snap déjà. Dinguerie, chacal, voilà. Et je suis sérieux, je suis plus beau côté le rebeu, et c'est la vérité, je suis plus beau côté le rebeu. Je suis plus beau côté le rebeu. Le roi ouf, Arouf Gangsta, je suis plus beau côté le rebeu. Je suis Arouf Gangsta, t'as capté? Arouf, le plus beau des rebeux. Arouf, c'est la montagne. Clairement, bye, bye, papa. Ça, papa, y'a Arouf, c'est l'aime. Bon, mes fans, c'est la rentrée. Donc, forcément, la rentrée, il faut être présentable. Si vous voulez aller au travail, si vous voulez partir aussi à l'école. Peu importe l'endroit où vous êtes, ce que vous faites, il faut être présentable, c'est la base. Ok, donc ajoutez tous le snap qui est juste là. Donc le frérot, lui, il a Istanbul, ils vont des affaires. Donc voilà, meilleure qualité du monde, il fait des envois, il travaille aussi. Mes fans aujourd'hui, gros nettoyage. Tous les gens qui parlent pour rien ou qui me cassent les couilles, je les ai bloqués direct. Déjà là, il y a une meuf et je l'ai bloqué direct. La meuf, elle est là en train de parler avec moi et j'entendais chuchoter à côté. Et moi, vous me connaissez, mes fans, je suis trop malin, j'analyse tout. J'avais cramé qu'il y avait soit une meuf ou soit des mecs à côté d'elle. Et comme ils ont vu que je suis plus malin qu'eux, le mec il a pris le téléphone, il a commencé à faire le malin. Et voilà. Après le mec, je l'ai remis à sa place. Et la meuf, je l'ai bloqué direct. Donc voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tellement les mecs, je les calcule pas, tellement ils ont pas de vie, ils galèrent, tellement ils sont inexistants, ils m'envoient des messages, je les calcule pas. Ils vont dire à des meufs de m'appeler. Donc la meuf, elle me parlait et tout. Et j'ai entendu chuchoter à côté. J'ai cramé qu'il y avait quelqu'un. J'ai dit, ouais, tu crois que je l'entends pas celui-là qui est à côté? Ou celle qui est à côté? Et le mec, il a parlé direct, il a fait le malin. En fait, il avait le seum parce qu'il a vu que j'étais plus malin qu'eux en fait. Et je l'ai remis à sa place et la meuf, je l'ai bloqué. Allez hop. Donc voilà mes fans. La meuf, elle a voulu faire la maline. Elle a voulu parler avec moi. Pour que ces mecs, en fait, ils enregistrent tout. Et comme je suis trop malin, j'ai cramé. Donc le mec, il a vu que j'étais plus malin que lui. Donc là, il a pris le téléphone. À la place de la meuf, il a commencé à faire le malin, je l'ai remis à sa place, et la meuf, je l'ai bloqué. Donc toutes les meufs qui me parlent leur mec, ou qui me passent leur mec au téléphone, je vous bloque direct. Y'a pas à faire des trucs comme ça en fait, y'a pas. Y'a pas à me passer vos mecs au téléphone en fait, y'a pas à faire ça en fait, y'a pas. Je suis sérieux, je suis plus beau côté le rebeu, et les plus belles meufs, elles préfèrent moi, toutes les meufs, elles me kiffent, et si les meufs voulaient me parler, il faut que vous préférez moi. Si vous commencez à me parler de vos mecs, je sais pas quoi, ou de vos rappeurs ou vos influenceurs, je vous bloque direct. Moi j'ai ma fierté, je suis un vrai Algérien 100% Chaoui. Ici c'est Arofou Selem. T'as capté? Donc voilà, tous les hypocrites là qui grattent l'amitié, j'ai pas le temps. Y'a pas à faire les hypocrites comme ça en fait, y'a pas. Y'a pas à gratter l'amitié comme ça en fait, y'a pas. T'as capté? Donc voilà, les plus belles meufs, elles préfèrent moi. Voilà, moi je suis un beau garçon, je suis trop beau, je suis le meilleur rappeur. Je suis plus beau côté le rebeu. Ça joue quoi mes fans? Voilà, je vais mettre un film. J'attends la série Casa de Papel aussi. Ça arrive le 3 septembre.
Que du très très lourd qui arrive, voilà. Et je suis sérieux, je suis plus beau que tu le rebeu, c'est la vérité, je suis plus beau que tu le rebeu. Toutes les beurrettes me kiffent, je suis trop malin, je suis trop intelligent, voilà, c'est moi le meilleur. T'as capté, moi j'ai un gros buzz, j'ai tout ce que je veux. Toutes les meufs me kiffent, j'ai un gros buzz. J'ai beaucoup de fans, tout le monde me suit, j'ai une grosse force sur les réseaux sociaux, ça tout le monde le sait. T'as capté, j'ai tout fait tout seul. Voilà, moi j'ai un gros buzz, j'ai des fans, j'ai des meufs, j'ai tout ce qu'il faut. C'est carré, chacal, toutes les meufs elles me kiffent, toutes les meufs, et regarde mes snaps, je rappe trop bien, c'est moi le meilleur rappeur. Quand je sors dehors, on me demande des snaps, des photos, des dédicaces, je suis trop malin, je suis trop intelligent, je m'habille trop bien. T'as capté? Voilà, moi, toutes les beurrettes elles me kiffent. Je suis plus beau que tu le rebeu. 1m66, gros pec. Je suis plus beau que tu le rebeu. Un mètre 66, gros pec. Je suis plus beau que tu le rebeu. T'as capté? Je suis un vrai Arja en 100% Chaoui. T'as capté, chacal? Toutes les meufs me kiffent. Toutes les beurrettes me kiffent. Les jalouses et les jaloux. Vous avez une tête de rat. Vous avez une tête de chameau. Vous avez une tête de marmotte. Ma berle, y a pas à faire les jaloux comme ça en fait. Y a pas à me jalouser comme ça en fait. Les jaloux, y a pas à avoir le seum comme ça en fait. Y a pas à me jalouser comme ça en fait. Ma berle, t'as capté, voilà, moi je suis trop beau, je suis un beau garçon, toutes les meufs me kiffent, toutes les beurrettes me kiffent. Voilà, moi je suis sérieux, je suis plus beau que tout le rebeu, c'est la vérité, je suis plus beau que tout le rebeu. T'as capté, 1m66, gros pec. Je suis plus beau que tout le rebeu. Belle lèvre. Voilà, j'ai vraiment une tête de latino. Je suis un vrai Algérien 100% Chaoui, au mode latino. T'as capté? Je suis plus beau que tout le rebeu, je suis le meilleur rappeur. J'ai percé tout seul, je fais des millions de vues. T'as capté? Les jalouses et les jaloux, vous avez trop le seum. Y'a pas à faire les jaloux comme ça en fait. Y'a pas à me jalouser comme ça en fait. Voilà, je suis trop beau, je suis un beau garçon, je suis parfait. Je suis plus beau que tout le rebeu. Ma belle, y a pas à faire les jaloux comme ça en fait, y a pas. T'as capté, 1m66, gros pec. Suis plus beau que tout le rebeu. Donc voilà, c'était la story d'Arouf. Ça, t'as capté? Donc il a inventé des phrases, mais malheureusement, il y a des gens qui lui ont piqué les phrases qu'il a inventées. Ça craint, ça craint. C'est comme ça me rappelle Nabila quand elle a fait allô, non mais allô. On lui pique des phrases, non mais allô. Elle a voulu faire des droits d'auteur sur cette phrase, allô. Donc on pouvait plus dire allô en France. Donc si on t'appelle. Tu dis en arabe naam, en arabe c'est naam, ça veut dire allô en arabe. Naam, on pouvait plus dire allô au téléphone. Allô à l'huile, voilà, on aurait dit à l'huile. Donc là c'est un peu plus grave quand même. C'est coca bien frais, chacal. Ah, y a pas, y a pas, y a pas ça, papaya. Non, 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 faut pas lui piquer les phrases, s'il vous plaît. Arrêtez, vous craignez franchement. Ego, tout ça, c'est les expressions du 9-1 à Rouvgang, ça, t'as capté? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.